Et c'est avec un soupçon d'air encore frais, il faut dire il n'est que 7 heures du matin, que je quitte l'endroit où j'ai dormi deux nuits de suite à Chablis pour poursuivre la route. Je ne sais pas encore si j'échouerai à Haussolène ce soir, à 15 km. J'attends toujours des nouvelles du gars qui s'en occupe pour voir s'il y a une chambre de disponible. J'espère que les prix sont quand même abordables. Sinon, il y a peut-être toujours moyen. Auxerre n'est plus loin de Haussolène d'aller à 5 km. Ce qu'il y a, c'est que si je calcule entre Chablis et Auxerre, j'en ai pour 20 km. Et je ne peux jamais être sûr de mes forces pour être sûr d'accomplir autant de kilomètres. Oui, ma moyenne, c'est 10, 15 maximum, c'est pas ça. Avant-hier, j'en ai fait 17 sans problème. Mais bon, on ne peut jamais crier victoire. À moins d'un imprévu. Mais que faut-il donc faire pour s'intégrer convenablement dans une ville française, belge? Passer deux jours ou rester plus longtemps? Il n'y a sans doute pas de réponse. C'est clair que je me suis posé un jour à Chablis, je suis content de reprendre la route. J'aurais peut-être été plus heureux si, en l'espace même d'un jour, j'avais eu des contacts un peu plus approfondis avec certains, mais on ne peut pas demander la lune. Maintenant, c'est clair que je resterai une semaine ici, ben je m'organiserai à Chablis comme partout. Déjà, il y a au moins 4 ou 5 sentiers pédestres, mais je les essayerai. Je m'arrangerai sans doute pour connaître les lieux où il y a des marchés pour aller chanter. Et peut-être que pas à pas, il y aurait moyen de faire des rencontres. Quant à dire que je serai intégré, sans doute par certains et peut-être pas par d'autres, comme toute personne qui habite tout coin. Un peu de pluie pour démarrer le parcours. Ben oui, je suis à peine à 2 km de Chablis
dans un village qui s'appelle Milly, M-I-2-L-Y. Le soleil pointe à l'horizon, on prévoit des journées très chaudes, mais voilà, il y a un nuage qui passe, bien heureux quelque part, mais voilà, il pleut un peu. Et comme je profite d'un petit abri pour souffler, pour attendre un peu. Tiens, j'ai rêvé de mon frère. Telle est bien la suite du chemin. Monter le long des vignes par un raide chemin qui suit là les fils électriques. Oui, mesdames, messieurs, c'est une image prétendue osée. La nature a besoin d'être arrosée, à défaut de dispositions pratiques appliquées à ce niveau-là. Je suis très formel sur le sujet. Les arbres me comprendront bien. J'ai d'ailleurs vu un gars qui, entre les vignes, tout à l'heure, semblait partager discrètement le même point de vue que moi, faute de sanitaire public. De toute façon, mon eau à moi, mon eau hugdréienne, sucrée, salée, odorante, malodorante, tout dépend comment on la regarde, comment on la sent, est-elle aussi nauséabonde, est-elle moins ou plus nauséabonde que les pesticides dont ces vignes sont quand même journellement victimes? Vive. La pluie revient. Mon petit sac à dos, mon gros sac à dos, le voit. Privé, ah bon.
Eh bien oui. Nous nous trouvons bien autour de l'étang du lac de Beine, qui paraît-il est un lac artificiel. Utilisé pour l'aspersion des vignes autour d'ici. Pour combattre le gel du printemps, les vignerons du coin utilisent le feu ou l'eau. De nombreux hérons ont élu domicile par ici. Par contre, les poissons-chats, dit-on, viennent parfois foutre un petit peu d'embrouille. Dans les villages où tout le monde se connaît et sort à la kermesse du 21 juillet, dans ces coins où le garagiste et le boulanger s'accommodent encore avec monsieur le curé. Dans ces lieux dits retranchés où les vaches circulent par temps de pluie ou par période de canicule, dans ces trous perdus où les pissenlits dans les champs auraient inspiré Van Gogh un siècle auparavant. Il y a des maisons closes. Avec un peu de chance, on verra peut-être les canards de tout à l'heure. Thank you.
Il apparaît déjà là-bas. Les dernières marches à Auxerre pour la beauté du geste, pour conclure l'étape aujourd'hui. Allez, un petit effort. Le chemin de fer en bas ne te donnera pas tort. N'est-ce pas? Mais non, mais non.